Yo tout le monde, c'est HTP116. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un peu spéciale, car c'est une vidéo que j'ai voulu faire. C'est une vidéo pour les 5 ans de la chaîne. Les 5 ans de la chaîne YouTube. Alors, sans plus attendre. Je vais commencer tout de suite la vidéo car j'ai horreur des intros qui durent trop longtemps. Tout d'abord, merci. Merci à vous. Merci à ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts, depuis le 27 novembre 2016. Eh bien, je vous redis encore une fois, merci à vous d'avoir été fidèle et de m'avoir donné de la force. Je vous en remercie énormément. Maintenant, je voulais rentrer en profondeur avec vous sur pourquoi, comment et un peu, j'ai envie de dire, quand j'ai voulu me lancer sur YouTube. Eh bien, j'étais encore au secondaire, hein. Tranquillou. Et j'en regardais beaucoup de vidéos et j'aimais le concept de faire des vidéos YouTube où c'est sans commentaire, no commentary en anglais. Et j'aimais ça. Donc j'ai mélangé deux formats de vidéos que j'ai regardé et j'ai aimé faire ce montage vidéo et ça a donné ce que ça donne sur ma chaîne. Et bien sûr, hein, tout a commencé sur un petit appareil. Je n'avais pas encore la PlayStation 4 pour pouvoir filmer mon écran. Pour les anciens, vous le savez, hein, j'avais commencé à filmer, voilà quoi, à l'ancienne. Et c'était sur PlayStation 3 en plus, je me rappelle. Que de bons souvenirs. Ensuite, au courant de la fin 2016, début 2017, je me suis acheté ma PS4 et là, les choses ont commencé sérieusement à arriver sur la chaîne. Là, j'ai commencé à m'investir de plus en plus. Et j'étais avec des amis, des potes. Et là, on part ma chaîne. Mon ami me montre comment on fait un compte Google. Comment on fait pour pouvoir liker, commenter et s'abonner à des chaînes? Mon ami, il me montre ça. Et là, moi, je suis en mode, hey, cool, je vais pouvoir faire des vidéos moi aussi. Donc là, je commence et j'accroche au truc, quoi. Je sentais que j'aimais ça. J'aimais ça. Et voilà, donc après, je change le nom. Après, je marque acheter. Production 16. À l'époque, c'était le chiffre. Maintenant, c'est écrit en lettres. Et voilà. Et j'avais mis 2.0 à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Mais avant ça, c'était même acheter production, tout court. Après ça, ça a changé. Enfin bref, je me suis vraiment amusé. Durant 4 ans, ça a été ça a été du changement. J'ai joué à plusieurs jeux différents. Tout ça, et voilà. Donc, j'ai toujours continué. J'étais encore au secondaire et tout. Le week-end, c'était mon petit moment à moi où je faisais des vidéos sur ma chaîne. Et voilà, j'aimais bien. J'aimais parce que c'était simple. C'était simple. Et aussi, il n'y avait pas l'argent qui rentrait. Donc, il y avait ce côté de je fais un truc pour m'amuser. Voilà. Pour m'amuser, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ça reste de l'amusement. Et puis voilà. Pour moi, c'était ma vision. Quand j'étais jeune, voilà. Jeune, mais voilà quoi. Et puis, voilà. Ensuite, j'ai commencé à jouer à des jeux de plus en plus demandants, comme des GTA, The Last of Us, Detroit Become Human. Ça, c'est mon coup de cœur de la décennie 2010, là, ce jeu. Ensuite, il y a eu plein d'autres jeux. Hein. Il y en a que j'ai pas vraiment continué. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Des fois, j'arrête un jeu parce que j'estime que
je me retrouve pas dedans, mais au moins, je laisse quand même, tu sais, je ne supprime pas. Je laisse. Donc voilà. Et puis, évidemment, hein, c'est toujours un plaisir de continuer les vidéos. Maintenant, ça va faire 5 ans. 5 ans que je suis sur cette chaîne, que je poste régulièrement, des fois un peu moins que d'autres. Mais j'adore, donc j'ai toujours ce côté de... Je veux partager ce côté-là du gameplay, de... Voilà, et je varie surtout. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai commencé aussi à varier les jeux. Et pour attirer de nouveaux publics, et voilà, toucher à plusieurs choses. Et aussi pour moi, de découvrir aussi d'autres jeux, d'autres styles de jeux, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'était très important de toucher un peu à tout dans le monde du gameplay, dans le monde du jeu vidéo. Très important. Moi, je suis pas vraiment une personne qui aime les jeux PC, mais j'ai déjà joué à des jeux PC. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo de type audio, pour ne pas dire podcast. J'aimerais bien avoir vos retours sur cette vidéo. Et je vous cache pas que ça me fait un petit quelque chose de dire que ça fait quand même 5 ans. Bon, alors prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous aiment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire et voilà. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous aiment. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace out!